La charité, la bonté de son cœur et tout ce qu'elle a fait pour le monde entier, c'est tout ce que je peux vous dire. Et elle a œuvré pas mal dans l'humanitaire, particulièrement pour l'eau, pour tout le monde, et avec ses fondations, bien sûr. C'était une femme, à mon avis, extrêmement généreuse, extrêmement dévouée, très peu mondaine. Voilà, et moi j'ai un petit pincement de cœur. Une femme très engagée avec des idées bien, bien orientées, si je pourrais dire, et ben, je salue sa mémoire. C'était une femme qui avait des convictions, qui le faisait savoir, et qui vivait dans ses convictions, en dehors du fait même qu'elle était la femme du président de la République. C'était une femme de près des gens, de tout. Voilà. C'est rare à notre époque. Moi, je pense qu'il faut la laisser tranquille. Elle a amené un combat bien mené. Et chapeau.